Faraday Kanaba. Faraday Kanaba. En 2008, que nous avons, avec nos partenaires du Nord-Pas-de-Calais, Colère du Présent, organisé en partenariat la première fête internationale du livre de Saint-Louis. Nous l'avons appelé fête internationale du livre et non salon du livre parce que nous avons voulu donner à ce salon une appellation de fête du livre, c'est-à-dire que pour que le livre soit dans les quartiers populaires et aussi pour tout le public saint-louisien. Alors c'est pourquoi on a mené aussi des activités au niveau des élèves. Parce que qui parle de lecture commence d'abord par les élèves. Et c'est ainsi que nous avons initié des séances de contes pour les enfants, des ateliers d'écriture, de poésie, de nouvelles au niveau des établissements et un concours de diction pour permettre aux enfants de pouvoir au moins savoir lire expressivement et de pouvoir dire un poème. Alors différentes activités ont été menées et cette année-ci nous avons eu comme marraine Ken Bougoul, Maria Tombaï. Elle nous a honoré et le prix du CEPS aussi est allé à Abdou Adil Aïdara qui a été l'ancien directeur du CRS et qui a accompli un travail très intéressant et elle laisse à Saint-Louis un livre qui permet de connaître Saint-Louis d'hier à aujourd'hui. Des prix ont été donnés, 3 prix ont été décernés, 2 prix d'abord de junior senior en nouvelle, 3 prix pour le concours de diction, le prix du CEPS et nous avons aussi été très heureux d'avoir une forte délégation venant du Mali pour montrer que le Mali et le Sénégal ne sont qu'un seul pays. Car nous voulions que le livre soit un peu partout, qu'il fasse florès dans la ville et ce qui est arrivé. Et aussi, nous sommes satisfaits parce que au stand aussi, les gens sont allés au stand, au quai Massek Ndiaye, et vraiment, il y a eu l'engouement du public envers le livre. Et c'était notre objectif, faire aimer le livre. Voilà. Les Maliens, vraiment, c'est une collaboration. Chaque fois que nous avons commencé par le Festival de Poésie de 2009, et ensuite, ils nous ont invités en 2012 pour la rentrée littéraire qui s'est déroulée à Bamako. Et nous avons eu l'occasion, pour ceux qui sont sénégalais mais qui ont des origines maliennes, de pouvoir même retourner au pays des origines. Alors depuis lors, aujourd'hui nous avons l'université de Bamako, nous avons des écrivains, mais nous avons une délégation forte de 27 membres venant de l'université de Bamako avec les professeurs, avec 3 encadreurs, Kone, Dia et Madame Afo Dembélé. Alors donc cette collaboration va connaître parce que dans cette équipe, il y a une troupe des universitaires et tout à l'heure on l'a dit, ils ont même eu à jouer devant le... Cette collaboration va toujours continuer parce que nous sommes qu'un seul peuple et nous partageons la même devise, un peuple, un but, une foi. Le bilan vraiment c'est la présence de qualité de nos amis maliens. Je crois que par-delà leur talent artistique, ils nous ont apporté la joie de vivre, une ambiance très saine. Et c'est pour nous un exemple concret d'intégration africaine par la culture. On a eu des jeunes, quand on a avec soi 26 Maliens, dont 23 étudiants, je crois que vraiment on a du très beau monde. L'autre bilan qui me semble aussi important, c'est la présence des Wolofs. Pour la première fois, on a déplacé une dame de Tietou Ramtulay Nying qui a eu à partager une expérience. Et nous avons eu d'ailleurs à tenir un atelier pour partager la question des langues à 3 niveaux. Parler la langue, l'écrire et aussi créer les conditions pour que ceux qui ne maîtrisent pas la langue de Molière et que des choses à dire puissent encadrer pour que ça puisse être dit et écrit. Je crois que aussi le fait d'avoir été à Dagana avec la marraine, d'avoir été à Makadjama avec d'autres auteurs et à l'université, ça montre que il y a des efforts qui ont été fournis pour que, comme je dis souvent, le salon du livre soit une fête du livre. Et vous avez vu l'ambiance qui est là, vous avez vu les artistes qui ont contribué, vous avez vu les danseurs. Je crois que tout cela montre effectivement qu'il y a des raisons d'espérer. Une vieille rengaine chez moi, je dis souvent que dans toute guerre, y compris la guerre contre l'ignorance, le nerf c'est l'argent. Parce que les personnes qui sont là ne demandent pas le maximum, mais il y a un minimum de décence, il y a un minimum de conditions sans lesquelles il n'y a pas ce commerce fort et agréable auquel nous rêvons. Et jusqu'ici, nous n'avons reçu que le soutien effectif du ministre de la Culture par le biais de la direction de la lecture. La mairie avait pris des engagements, l'université aussi. Et nous espérons que sous peu, évidemment, ses sponsors et ses partenaires, parce que l'activité
Et pour la ville, l'activité a des retombées économiques et culturelles extraordinaires pour la ville. Je crois que les engagements proclamés haut et fort sont les engagements tenus et nous en avons en fait besoin pour être effectivement en règle avec ceux-là qui ont été assez gentils pour nous fournir l'espace, pour fournir la nourriture, pour que nos amis soient dans les meilleures conditions possibles. Moi, c'est Mademoiselle Aïché Gengani. Je suis en deuxième année dans une école de formation pour professeurs. Ça a été un réel plaisir pour nous d'être là ici à ce festival. On a été vraiment accueillis avec tous les honneurs du monde. Et ça a été également l'occasion pour nous d'apprendre. Nous avons eu l'occasion de rencontrer pas mal d'éminents écrivains. Et ce qui n'est pas vraiment le cas tous les jours. Nous sommes vraiment fiers d'avoir participé vraiment à ce festival et nous espérons pouvoir revenir encore pour d'autres, pour d'autres événements à venir dans ce même cadre. Voilà, merci beaucoup pour le séjour et tout. Nous avons, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai de très bonnes impressions. Je retiens de ce festival-là un mouvement utile qui joue l'utile à l'agréable. Nous rendons grâce aux organisateurs. Nous avons pu nous exprimer, rencontrer nos collègues et puis lancer un peu la culture, apporter un plus à la culture, particulièrement à la lecture. Parce que vous savez que les gens ne lisent plus tellement, mais à partir d'initiatives comme ça, ça va relancer le goût de la lecture. Sans compter qu'il y a ce brassage culturel très fructueux entre des écrivains du Sénégal, mais entre les écrivains du Sénégal et de la sous-région. Nous rendons donc hommage à tous ceux qui ont su réussir une belle entreprise. Je suis en train de faire un groupe mâle féminin. Je suis en train de faire un groupe. Je suis en train de faire un groupe. Je suis content de faire un groupe. Je suis en train de faire un groupe. Je suis en train de faire un groupe. Alpha si ñoma wo man ma am ci yek buma am ndax wolofal jangam wolof miñ ma woyé man dama ci contane ndax jangam caytu cheikh anta diop ku ne xamna ni caytu la dëkk tay jim tay jangam cay jangam wolofal mi mom lañu bëgg mom lañu soxla ndax jang ni reer nañu suñu lak mënatu ñuko am suñu dom reer nañu ah yifi mam yi bayyi won yeb dem na te cheikh anta mom nit ku ñu rek la doon liggéeyal nit ku ñu moko taxandi dem bëgg bopam moko taxandi dem kon man mo lol lañ ma fi invité won ma ñew taxawal fi téwal fi caytu ci cadre Cheikh Anta Diop wax dëgg yalla ndaje mi neexna ma ngi sante Alpha Sy lu gëna bari ak gëna gi geey ma kenn bëggul ndax wax dëgg yalla ak dalal nañu lañ nañu suñu question ñu wax ko bëgg na nak lu jëme suñu dëkk kanam man mo tax ma ñew ci réew mi bëgg nu defal na suñu daara mu jangat ndax wax deug yalla kuy jang kuy jegi waan dañ ne koy jangaan sa deuk da jangut kuy walian sa deuk da teug non lool lañu bëgg ku ñu ci dimbali moma taxañu ci ndaje mi melne na ndaje mi dina reussir ndax man wax deug yalla contane na ci sante na ci lool. Je m'appelle madame Fatou Yeli Fay Wardini. Je suis écrivain poétesse. J'ai écrit un recueil de poèmes, Les Poubelles de l'Espoir. C'est mon premier recueil de poèmes. Mon deuxième recueil de poèmes qui est sorti cette année, le mois dernier, est intitulé Les Termites du Salut. Je fais de la poésie aussi bien en anglais qu'en wolof. Je suis venu ici dans le cadre invité par le Cercle des écrivains et poètes du Sénégal. C'est un honneur pour moi parce que c'est un cercle, ce sont des gens qui ont beaucoup d'initiatives et qui font de belles choses pour l'écriture et pour le livre. Nous ne faisons que les encourager et être toujours avec eux parce qu'ils œuvrent pour le développement du Sénégal, de l'Afrique et du livre en général. Donc, concernant les différentes activités qu'on a menées, c'est que les gens de Saint-Louis, ils ont innové. Parce que nous, depuis le matin à 9h, on est dans les écoles. Nous sommes partis à Makadjama hier. Aujourd'hui, nous étions à l'université de Gaston Berger. L'année dernière, j'étais là, on était à Dagana.
Et c'est une innovation d'aller vers dans les écoles, de voir les élèves, de discuter avec les élèves. Et c'est ça le rôle de l'écrivain. L'écrivain ne doit pas se contenter seulement d'être là, d'écrire son livre et puis c'est fini. L'écrivain doit être en contact avec les jeunes pour pouvoir les aider, les épauler et ensuite les transmettre les valeurs et même leur présenter son œuvre et sa façon de voir le monde. Parce qu'en fait, l'écrivain est aussi un éducateur. Moi, c'est comme ça que je le considère. Par rapport à nos élèves qui ont beaucoup à apprendre, on a beaucoup à leur donner. Et on ne peut le faire qu'à travers des activités comme ça, comme ceux du CEPS et comme ceux d'autres qui le font aussi à Dakar et bien dans les régions.